SmartAddict.fr a pour emblème un mouton. Tu le préfères néo-zélandais en méchoui ou anglais à la sauce à la menthe? Alors j'ai essayé il y a un an d'en manger un néo-zélandais en méchoui. J'ai échoué de peu, j'ai pas pu le manger, mais un anglais à la sauce à la menthe, ça m'a l'air pas mal du tout. Pour un exil sur une île déserte, tu amènes dans tes bagages Sébastien Chaval, Gisèle Bündchen ou ton shampoing Petrolane? Alors Sébastien Chaval, je l'aime beaucoup, mais il ne me servirait pas à grand chose. Gisèle Bündchen, ça fait réfléchir, et puis tant pis, je ne mettrai pas de shampoing durant mon exil. Tu reçois combien de textos en moyenne après un match? Alors ça peut varier de 1 en cas de défaite et si on a été nul, à 50 si on a été très bon. Donc il n'y a pas de moyenne particulière. L'expression la plus bizarre dans le monde du rugby. Bon, il y en a eu pas mal, notamment d'un entraîneur qui nous avait dit « Bon les gars, aujourd'hui on est au pied du mur, maintenant il faut le construire. » Et elle nous avait fait beaucoup rire. Ton iPhone sort toujours couvert? Ben non, justement, là, il est tout nu dans ma poche. Ben justement, Dimitri, on a un étui spécial pour protéger ton mobile. Ben super. Ah ben, made in France en plus, ça tombe bien. Yachidi tente une première mondiale, une transformation avec son iPhone. Oula, le supporter anglais tente de le déconcentrer. Pas très fair play, ça. Allez, mon grand, tu peux le faire. Superbe frappe, bien équilibrée. Magnifique transformation réussie à 5,20 m des poteaux. C'est le record du monde. En plus, les Anglais avaient placé un mouton entre les poteaux pour le gêner. Ils nous auront tout fait. Ah ben c'est bon, il marche encore en plus. Etui Mode Labs, Made in France 3, reste du monde 0. Bravo Dimitri, à vous Paris, à vous Smart Addict.